Bienvenue dans l'église de Nanga. Cette église est datée du XVIe siècle, en référence à la maîtresse vitre qui a été réalisée en 1508. En 1980, une poutre de la charpente du bas-côté sud tombe. La municipalité sollicite les bâtiments de France qui, l'année suivante, classe l'édifice monument historique. Les architectes s'attendent à faire des trouvailles dans cette église quand ils découvrent les arcades de style roman. Durant la restauration qui durera de 1982 à 1994, des piquetages sur les enduits mettent à jour des éléments architecturaux et picturaux qui permettent de dater l'église non pas du XVIe siècle, mais du Xe, IXe, voire du VIIIe siècle. Un sacré coup de vieux. Du IXe siècle à la Révolution, l'église de Nanga appartient à l'évêché de Dole de Bretagne et forme ainsi une enclave dans le diocèse de Saint-Brieuc. Dole était un monastère évêché qui créa des prieurés entre le VIe et le IXe siècle. Ces enclaves reçurent le statut d'église paroissiale à partir du XIIe siècle. L'église de Nanga est l'une des plus anciennes de Bretagne puisqu'elle est datée du IXe voire du VIIIe siècle. Datée de l'époque carolingienne, c'est une église pré-romane. Alors quels sont les vestiges qui ont permis de dater l'origine de cette église? Premièrement, le tracé et la construction des arcs des fenêtres de la nef, aujourd'hui murées, en briques posées de champ. Ensuite, la maçonnerie en opus picatum, appareil en épi, également appelée arête de poisson. Deuxièmement, un ensemble de peintures romanes sur les faces intérieures des arcades, appelées intrados. L'édifice du IXe siècle couvrait la même surface qu'aujourd'hui. Les murs de la nef sont d'origine. Les bas-côtés étaient beaucoup plus bas et dépourvus de fenêtres. Leur toiture arrivait au-dessous des fenêtres de la nef qui éclairaient l'édifice. Fin du XVIe, les murs du bas-côté sont élevés. On y ouvre des fenêtres de style gothique. Au mur, celle de la nef devenue inutile, puisque la toiture des bas-côtés les surmonte. À sa construction, l'église ne comportait pas de clocher. Les cloches se trouvaient dans les deux niches situées en haut du pignon de l'entrée de l'église. Le clocher-porte de l'église a été construit au XIVe ou XVe siècle. Il comportait une flèche conique qui fut détruite par la foudre durant la guerre 14-18. Il est rare de découvrir des fresques du Xe siècle. Leur découverte est qualifiée d'importante par les architectes des monuments historiques. Ces fresques ne sont que des vestiges d'un ensemble qui a été certainement très important. Au début de la Renaissance carolingienne, on est allé chercher des peintres en Italie, à Ravenne, mais aussi en Irlande et au Pays de Galles, car on trouve dans ces fresques un mélange d'inspiration celtique et orientale. Les peintures sont réalisées sur un enduit fraîchement posé, au lait de chaux bien lissé, appliqué sur un enduit plus grossier qui recouvrait la pierre. L'artiste utilisait des pigments naturels, de l'ocre jaune, de l'ocre rouge et du minium, un oxyde de plomb très toxique. En séchant, ces pigments s'imprégnaient dans la couche d'enduit, ils devenaient indélébiles, inaltérables. Ces fresques découvertes sous les arcades représentent la liturgie de l'église, principalement puisée dans l'Ancien Testament. On remarque trois zones distinctes. La première travée est occupée par des entrelacs et des spirales d'inspiration celtique du Xe et du XVIe siècle. La deuxième travée, dont il ne subsiste que le décor du côté sud, représente des archanges. La troisième et quatrième travée, des anges. L'emplacement de l'ensemble de ces fresques a un sens. Plus on s'approche du cœur, plus on évoque le monde céleste, le cœur étant le monde divin. Les archanges et les anges assurent le lien entre le monde terrestre et le monde divin, puisqu'ils sont respectivement les envoyés célestes et les messagers de Dieu.
Sur la fresque de la deuxième arcade sud, on découvre deux personnages de l'Ancien Testament, l'archange Melchisédek et Michel. Le rapprochement entre ces deux saints est unique dans l'iconographie de l'Église. Cette alliance est improbable. Melchisédek n'est pas un personnage important de l'Église. Roi et prêtre, il est le fils de Ner et le neveu de Noé. Dans la Bible, il n'apparaît que dans le livre de la Genèse qui raconte la création du monde. Michel, par contre, est l'archange le plus populaire pour avoir terrassé le dragon de l'Apocalypse. L'archange Michel est aussi le protecteur des âmes. Il les accompagne dans le paradis où il les pèse. Aussi est-il souvent représenté avec une balance ou avec le dragon terrassé à ses pieds. Sur cette fresque, l'âme est représentée par un enfant aux mains jointes, emmailloté dans un linge. Quel est donc le point commun entre ces deux saints? En fait, la représentation de cette fresque est inspirée par un texte du livre d'Enoch. Ce livre, qui contient une description des mondes célestes et angéliques, est déclaré hérétique par l'Église. Vers le IIIe siècle, elle le déclare apocryphe et le retire de la Bible, car il est question d'anges déchus qui ont apporté le mal sur la terre en épousant les filles des hommes. Dans ce livre, on découvre la relation entre l'archange Michel et Melchisédek. Avant le déluge, le Seigneur dit à Michel, « Tu vas aller sur terre, dans la demeure de Ner, et là, tu prendras son enfant Melchisédek, qui a 40 jours. Tu le transporteras dans le paradis de l'Éden, avant que je ne lâche les eaux sur terre. » Suite à ce déluge, Melchisédek reviendra sur terre, et les prêtres seront à son image. Sur cette fresque, Michel tiendrait dans le linge déployé devant lui, non pas une âme, mais l'enfant Melchisédek. Sur les intrados des autres arcades, les anges sont représentés d'une façon étonnante. Ils tiennent tous un livre fermé dans la main gauche, à hauteur de la poitrine. Rien à voir avec la figuration de l'ange qui, selon l'Apocalypse de Saint Jean, apporte le livre ouvert aux apôtres. Au-dessous de l'ange de la troisième arcade sud, on distingue le buste d'un homme peint au XVIe siècle. Sur la quatrième arcade nord, au-dessous des anges, le monde terrestre est représenté par des figures géométriques. Un ange a été à moitié couvert par une fresque représentant une croix sur une colline ou sur un globe terrestre. Tout en haut, on distingue deux fleurs de lys et une hermine qui ont été ajoutées lors d'une campagne de travaux entre le XVe et le XVIe siècle. Parmi ces travaux, de nouvelles fresques et la maîtresse vide datée de 1508. 1508, c'est peu de temps après le mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII, roi de France, en 1499. Ces âmes héraldiques de la France et de la Bretagne symbolisent l'espoir que représentait l'alliance entre le duché et le royaume. Les murs de la nef ont conservé une fresque qui représente un évêque. La nef est percée de trous contenant des vases acoustiques permettant d'amplifier la voix du prêtre. Cette technique, qui date de l'Antiquité, fut d'abord utilisée dans les théâtres, puis les églises. Ici, on les trouve dans la partie restaurée fin 15e, début 16e. La chaire actuelle date du 19e. À l'origine, elle se trouvait en face. On distingue le passage obstrué qui en donnait l'accès dans le mur sud. C'est lors de la restauration, fin 15e, début 16e, que ce chœur à chevet plat fut construit. On y plaça le vitrail. Cette maîtresse vitre, créée en 1508, fut offerte par Jean de Quingot, seigneur du Rocher à Langas. La verrière, dite de transition, est constituée d'éléments gothiques et renaissance. Le verre est teinté dans la masse, selon une technologie du XIIe siècle, avec des fantaisies de l'ornementation italienne. Dans les tympans en haut apparaît le jugement dernier. Au sommet, le Christ. Marie à sa droite, Saint Jean à sa gauche. De chaque côté, dans les mouchettes, des anges en blanc. Au milieu, Saint Michel, et de part et d'autre, des personnages à demi nus. La verrière comporte quatre lancettes contenant quatre panneaux. Le panneau supérieur de chaque lancette est surmonté d'un motif architectural cathédral. Première lancette. La Sainte Vierge, puis Jésus crucifié, trois anges reçoivent dans des calices le sang qui coule de ses plaies. Au pied de la croix, Marie-Madeleine et Saint-Jean, puis Saint-Jean et la messe de Saint-Grégoire.
deuxième niveau ou lancette. Saint-Antoine le Grand, Saint-Sébastien. Le tableau suivant est à associer à celui d'Ursule situé dans la lancette inférieure. Troisième lancette, Saint-Gall qui a laissé son nom à la paroisse de Langa. Moine irlandais, il quitte son pays en 570 en compagnie d'une dizaine de moines sous l'autorité de Saint-Colomban. Les évangélisateurs souhaitent poursuivre l'œuvre de Saint-Patrick. Les moines débarquent en Armorique, dans la paroisse aujourd'hui appelée Saint-Coulon, après avoir fait un long périple en Gaule. Mais ces moines dérangent beaucoup. Ils imposent leur religion, cassent les idoles et sont contre les orgies qui sont menées à la cour du roi Thierry. Les souverains décident de renvoyer les moines en Irlande. Alors qu'ils embarquent à Nantes sur un navire, la mer se déchaîne. Les moines y voient un signe de Dieu qui leur demande de rester en Gaule. Ils se séparent. Saint-Gall suit la voie romaine, les rivières, la Vilaine, l'Oust, le Lié, et il arrive dans notre contrée où il établit un ermitage au Montrel, un village situé derrière le bourg de Langa. Troisième lancette, Saint-Gall, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Opportune, Sainte-Ursule, princesse bretonne du IVe siècle. Dernière lancette, à gauche, on trouve les armes du marquis de Quingot. À droite, les armes de la famille de la Mode Rouge. Puis, Sainte Apolline, patronne des dentistes, et la Vierge de Pitié. Sur le dernier tableau, on lit en haut, armes du marquis François de Quingot, seigneur du Rocher en Langa, chevalier de Saint-Michel, a fait placer en 1579 ses armes au bas de cette verrière donnée par Jean de Quingot, son aïeul, en 1573. L'autel nord, restauré en 2013, représente le rosaire. L'autel côté sud, construit au XVIIIe siècle, supporte un tableau des enfants de Langa morts pour la France. La fresque sur le pignon du bas côté nord représente Sainte-Marie-Madeleine à Marseille. Elle date du XVIe siècle. Au pied de la première arcade sud, Sainte-Catherine d'Alexandrie. Les fonts baptismaux seraient du XIIe. Le tableau au-dessus représente la Sainte Famille. La porte latérale sud est du XVIe, tout comme les deux contreforts aux angles de l'église. Au-dessus de la porte, deux niches ornées de coquilles Saint-Jacques. À droite, on distingue la date de la construction des contreforts, 1707. La porte était prolongée par un porche en bois posé sur des murs en pierre d'1 mètre de haut. Il a été démoli en 1915 par le prêtre de l'époque qui ne supportait pas que, lorsqu'il montait en chaire, les hommes sortaient de l'église pour fumer une cigarette et discuter. Sur la charpente du côté sud, vous remarquerez des poutres à engoulants. Des têtes de dragons sculptées représentent le diable. Dans le phylactère, on distingue des angelots décoratifs. Au-dessous, on découvre un bestiaire. Ces sculptures sont typiques du XVIe siècle. On trouve ces représentations dans la chapelle Saint-Jean que nous vous invitons à visiter. Ouverte au public, elle se trouve dans l'enceinte du cimetière. Ce film n'aurait pu être réalisé sans le travail de M. Louis Gouvry. Louis, vous avez été durant 25 ans le guide de cet édifice, Église Saint-Gall. Je vous en remercie.